Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Pau. Hein. Comme je vous l'avais dit lors de notre dernière émission, ce ne seront pas les sauteurs, ce seront les galopeurs hein, qui seront à l'honneur à l'occasion du prix de l'Escar. Une course, j'ai l'impression, sur laquelle on s'est rabattu hein, parce que le gros handicap pour les sauteurs n'a pas réuni suffisamment de partants, en tout cas au moment de la découpe du handicap. Et c'est vrai qu'on a affaire donc à un quintet plus assez modeste. Hein. Ce prix de l'Escar, ce sera la troisième course du programme prévue à 13h55. C'est un handicap pour des galopeurs de 5 ans et au-dessus. 1600 mètres à parcourir sur la PSF, la piste en sable fibré. On a fait le plein de partants, hein, 16 concurrents au départ. Comme je vous l'ai dit, c'est une épreuve assez modeste. Hein. D'ailleurs, regardez, 28 000 euros d'allocation en général pour un gros handicap de classe 2. On a 53 000 euros. Donc voilà, c'est vraiment un quintet par défaut, j'ai envie de vous dire. Et ça rend l'épreuve assez difficile à déchiffrer, même si on a quand même quelques spécialistes hein, de ce parcours. Je crois que je l'ai dit, l'épreuve est à 13h55 comme d'habitude. Voilà un petit peu le tableau des partants. On a des chevaux connus dans cette catégorie pour la majorité, mais pas forcément dans les quintets. Hein. Pour certains, en tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, hein, El Torero. Pour le coup, on a un cheval qui a fait ses preuves dans les quintets, hein, notamment l'année dernière. Il a prouvé qu'il était capable de figurer et même pourquoi pas de s'imposer hein, à ce niveau-là en valeur 35,5. Là, il est pris en 34,5. Donc, il est vraiment pris à une valeur qui est plus intéressante, plus avantageuse. 34,5 ou 34 je ne sais plus si c'est 25 ou c'est 25,5 la référence de ce handicap. Laissez-moi juste voir la dernière course. 34,5, ouais, c'est bien ça. En 34,5, et c'est vrai qu'il avait fait l'arrivée de Quintet en 35,5. On l'a vu notamment dans le sud-ouest, hein, réalisé de belles choses. Là, il a maintenant 2-3 courses dans les jambes. Sa dernière course, c'est la course référence. Hein. Il a terminé 5e. Regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a la moitié du peloton qui a couru dans cette course référence qui se disputait sur ce parcours. Donc, ça donne pas mal d'informations, même si cette fois-ci, les décharges n'auront pas court, parce que c'est vrai que quand on voit Delphine Santiago qui lui a droit 1,5 kg en plus, le partenaire de Dr. Ron qui avait également droit à 2-3 kg, enfin bref, on voit vraiment qu'il y a des choses qui peuvent changer par rapport à cette course référence. El Torero, lui, il a fait ses preuves sur ce tracé, il est bien placé dans la salle de départ. Yoritz Mendizabal l'a déjà monté avec beaucoup d'à propos, et c'est vrai qu'avant le coup, je trouve que c'est l'une des candidatures qui présente le plus de garanties, et pour moi, c'est certainement l'un des éléments capables de remporter ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 4, Fly Dasp. Comme je le disais, on peut regretter que ce ne soit pas Delphine Santiago qui lui fait d'habitude profiter de sa décharge maintenant, même si ça avait été Delphine Santiago dans un quintet, il n'y a pas le droit aux décharges. Donc c'est pour ça que je disais que les choses peuvent changer, parce que cette fois il n'y aura pas 1,5 kg de différence par rapport à El Torero qu'il a réussi à dévancer en dernier lieu. Maintenant, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il est expérimenté, c'est en gros de 9 ans. Il est en forme également, il vient de le prouver dans la course référence. Il adore ce parcours, il a un super numéro dans les stalles de départ. Pour moi, avant le coup, il présente également beaucoup de garanties. Alors pour la victoire, à 61 kg, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est un concurrent qui devrait faire sa course et légitimement, il peut ambitionner au moins une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, hein, Dr. Ron. Alors Dr. Ron, je l'ai dit également hein, la dernière fois, il bénéficie de la décharge de son jeune partenaire. Ce ne sera pas le cas, il porte 62 kg. Maintenant, il est repris maintenant en valeur 37. Hein. C'est un cheval qui, en valeur 37, a remporté un quintet en fin d'hiver dernier sur l'hippodrome de Chantilly. Donc voilà, c'était la même distance, c'était un parcours similaire, 1600 mètres PSF. Donc en théorie, il est compétitif, même pour la victoire. Maintenant, avec 62 kg, je demande à voir, hein, parce que ça fait quand même beaucoup de poids. D'ailleurs, vous le voyez, l'As It's All a Dream qui porte 65,5 kg. J'ai rarement vu un tel poids dans un quintet. C'est pour dire à quel point les poids sont assez spéciaux par rapport à la valeur de ce handicap. Toujours est-il que Dr. Ron, il vient de remontrer le bout du nez sur le parcours qui nous intéresse. Donc en théorie, lui aussi, c'est une belle chance. Même s'il porte 62 kg, je pense que face à une telle opposition, on est en droit d'en attendre une très grande performance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, Kendaya. C'est une jument de 5 ans qui a très peu couru. Hein. Elle n'a couru que 7 fois, comme vous le voyez. Elle a connu 2 interruptions de carrière. Maintenant, elle a montré qu'elle était capable de bien faire dans cette catégorie. Le seul petit bémol,
C'est la distance. C'est la première fois qu'elle aborde la distance de 1600 mètres. Elle a toujours couru sur des distances inférieures. Mais bon, la forme est là. Je pense qu'elle a encore un moteur tout neuf, qu'elle a encore de belles choses à montrer dans cette catégorie. En plus, Fabrice Veyron, c'est un homme en grande forme actuellement. Moi, je m'en méfie tout particulièrement. Elle peut manquer d'expérience face à des concurrents un peu plus aguerris, un peu plus expérimentés dans cette catégorie. Mais en théorie, vu ce qu'elle a montré et ce dont elle est encore capable, je la pense vraiment compétitive pour une très belle place. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 9, hein, Loper qui a remporté une course sur ce parcours l'avant-dernière fois. Je ne sais pas si on l'a d'ailleurs, Loper. Il a terminé sixième la dernière fois dans la course référence. Tiens, regardez, c'est ici, hein, à Pau le 10 décembre. Il battait Fly Dasp, hein, d'ailleurs, lors de cette tentative. Bon, elle a été pénalisée depuis cette tentative, mais elle a bien tenu sa partie la dernière fois dans la course référence, malgré le point en plus. Je pense qu'elle a encore un petit peu de marge, hein, à ce niveau de compétition. En plus, elle aussi attire un très bon numéro dans les salles de départ. C'est une jument qui aime aller de l'avant, qui aime être montée près du groupe de tête. Et avec un tel numéro dans les salles de départ, je pense vraiment que c'est un avantage. Alors, je pense pas qu'elle ait suffisamment de marge pour jouer les premiers rôles ou peut-être même une place sur le podium, mais pour une 4-5e place, à mon avis, elle est largement compétitive. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 10, Abélard F, qui vient de terminer 9e dans un handicap disputé sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. C'était un quintet, mais c'était un vrai quintet, hein. Il y avait de l'opposition, il y avait notamment Forchester, je crois, qui s'imposait. Et d'ailleurs, il termine seulement 9e, mais il n'avait pas démérité. Je trouve qu'à cette valeur, c'est un cheval qui a une belle carte à jouer. Il porte 57,5 kg, c'est un avantage, hein, par rapport à des chevaux qui vont porter quand même pas mal de poids. Il descend, j'ai l'impression, vraiment de catégorie par rapport au dernier quintet qu'il a couru. Donc voilà, en plus, on fait le déplacement. C'est vrai que aller de Cagnes à Pau, de Pau à Cagnes, enfin voilà, c'est vrai que ça incite également à la méfiance. Et malgré son numéro 13 dans la salle de départ, je le pense capable de créer peut-être une petite surprise. Je ne sais pas, il y aura combien au niveau de la cote, mais il y aura bien 10 ou 15 contre 1. Et ça peut être vraiment un outsider très amusant. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 3, Natural Pass. Natural Pass, il reste sur une 6e place. Voilà, c'était ici. C'était sur 1400 mètres. C'était pas sur 1600 mètres, mais il courait pas si mal que ça. Je trouve vraiment qu'au niveau comment dire, de sa valeur, il est pris de manière assez intéressante. Et puis sa dernière sortie était vraiment plus encourageante et plus intéressante que ne l'indique son classement. Vous voyez, il était à 64 contre 1. Voilà, 61,5 kg. On fait appel à Valentin Segui. Il a des titres à faire valoir, hein, ce Natural Pass, mine de rien. Et il faut vraiment s'en méfier. Alors, avec autant de poids, je pense pas qu'il soit capable de jouer lui aussi les premiers rôles, mais ça fait partie des nombreuses possibilités pour une 4-5e place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 8, Passalito. On le connaît bien, hein, Passalito. Lui a terminé 4e de la course référence derrière Kendaya le 22 janvier dernier. 22 janvier dernier. Alors, c'est vrai que je le préfère un petit peu sur une distance un peu plus courte, hein, 1300, 1400 mètres, ce Passalito. Maintenant, il est en forme. C'est vrai que son avant-dernière sortie, il terminait 7e sur ce parcours. D'ailleurs, c'était peut-être une course référence. Passalito, oui, bah, c'était tout simplement la course référence du 4 janvier. Maintenant, avec un parcours assez favorable, je pense qu'il est capable de faire un petit peu mieux. Faudra que ça se passe bien, faudra qu'il y ait peut-être une ou deux défaillances. Mais voilà, moi je l'ai retenu en 8e position parce que sur sa valeur intrinsèque, il a, je pense, les moyens de terminer à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7, Laris. Ce qui me désole, c'est son numéro dans les stalles de départ. Hein. C'est un cheval qui est expérimenté. Regardez, un Hongre de 11 ans. C'est tout simplement le doyen de cette épreuve. Il est associé à Olivier Pélier. Voilà, dernièrement 7e. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux que ça. Il est vraiment pris désormais à une valeur qui est très, très avantageuse. Mais bon, c'est en même temps un cheval qui est vieillissant, qui a besoin certainement de courir au moral. Et avec ce numéro 15, il faudra que ça se passe bien. Donc voilà, il aurait un meilleur numéro dans la salle de départ. J'aurais peut-être retenu 7-8e. Là, avec ce numéro 15 dans les boîtes, voilà, ce sera plus un regret qu'autre chose. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 6 El Torero que j'ai retenu devant le 4 Fly Dasp. En troisième position, le numéro 2 Dr Ron. Ensuite, en quatrième position, le 11 Kendaya devant le numéro 9 Loper. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, Abélard F. Le 3, Natural Pass, en septième position devant le numéro 8, Passalito. Et en cas de non partant, le numéro 7, Laris. Voilà, en conseil de jeu, bah écoutez, pour moi, El Torero, il a tout pour plaire. Il revient bien, il est prêt à une valeur avantageuse. Il est bien placé dans les étals de départ. Il s'entend bien avec Yoritz Mendizabal. Pour moi, il coche toutes les cases. Tout comme le numéro 4, un hein, Fly Dasp.
Le seul petit bémol avec ce Flydasp, ce serait peut-être le fait qu'il n'ait pas la décharge de Delphine Santiago. Mais en tout cas, je pense que malgré tout, il est compétitif en valeur 36. Et pour moi, c'est également une toute première chance. Et puis le 2, Doctor Ron, malgré les 62 kilos, lui aussi, en théorie, il a une très belle carte à jouer. Il vient de montrer le bout du nez dans la course référence sur ce parcours. Pour moi, c'est également un concurrent qu'il faut suivre en confiance. Donc 6, 4 et 2, mes trois préférés dans cette épreuve. On va faire un petit tour également du côté du prix du Languedoc, hein, remporté par Magellan à Cagnes-sur-Mer devant le 2 Almanzora. Derrière, c'est un petit peu plus difficile, hein, avec Morphe One, le 13 One Point, et puis le 7 Gogenspace qui refait parler de lui également. Du côté de Noderbrick, tiercé ordre et quarté ordre hein, de la part de Top Prono. Hein, quarté ordre qui chiffre à plus de 1500 euros avec les bonus. Et regardez, un trio à plus de 1200 euros. Une très belle journée hein, de la part de Top Prono qui fait vraiment une très belle fin de mois en janvier. En tout cas, vous pouvez tester Noderbrick. C'est à partir de 1 euro par mois. Comme vous le voyez, c'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas à vous y intéresser. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos qui peuvent vous aider à faire le papier, des modules qui vous apprennent un petit peu à faire le papier et de pouvoir justement apprendre à faire de votre part le papier de manière indépendante, tout simplement à déchiffrer les courses. En tout cas, c'est le deuxième lien. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes en compagnie des trotteurs. On retrouve un bon lot d'ailleurs. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une très bonne journée. Bye bye.